Eh ben coucou, c'est la Marie-Thérèse Fromansac de retour, et je vous oublie pas, hein, vous en faites pas. Mais c'est vrai que le mois de janvier, c'est chargé, hein, baf. On n'arrête pas de faire la fête, pour un oui, pour un non, tout est prétexte. Bon, je vous rassure, hein, la Paulette, elle s'en remet. Ben apparemment, il paraît qu'il aurait trouvé qu'elle était pas bien parce qu'elle aurait un virus. Oui, bah, bref, en même temps, ça fait longtemps qu'on le sait qu'elle a un virus, hein, parce qu'avoir le robinet qui fuit comme ça, comme elle a depuis longtemps, c'était pas normal, hein. Oh ben, elle a la cocotte minute qui est fêlé, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors il va falloir qu'il trouve le moyen de colmater les brèches. Bon, pile Henriette, elle fait la tête, hein. Ben, c'est pas ça, c'est que... Bon, elle nous en veut un peu parce que, oui, on se serait moqué de son prénom alors qu'elle est végétarienne. Pop! Moi, je pense surtout qu'elle fait la tête parce qu'elle a pas de surnom comme la Cécile l'Espérance. Ah ben, c'est pas la dernière pour se moquer de la Cécile. Alors, du coup, on lui a trouvé un surnom à l'Henriette qui est végétarienne. On l'appelle la Marie Jambon.